Bonjour à la maison et bienvenue à un autre combat de cartes Pokémon féroce. Aujourd'hui, j'affronte ma blonde Cindy. Est-ce que tu es prête à m'affronter, mon amour? Ok, oui, dans notre combat amical jusqu'à la mort. Non, c'est pas amical. Puis, on ouvre chacun une boîte Tin Shining Fate et qui contient 6 boosters. Donc, 6 chances d'être le meilleur dresseur. Le système de points ira comme suit. Une rare reverse ou une holo régulière, c'est 1 point. Une Amazing Rare, une V ou une V Max, c'est 2 points. Les bébés shiny, c'est 3 points. Les Full Art shiny ou les dresseurs, 4 points. Les Rainbow Rares, 5 points. Une carte en or, c'est 7 points. Et le magnifique shiny Charizard G-Max, c'est 10 points. Ça assure presque la victoire. Je tiens à préciser qu'on a acheté ça dans une sortie amoureuse. Notre vie de couple est adorable. Ben oui, moi je trouve ça parfait. Ok, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on gagne? Moi j'ai une idée, ok? Dans le fond, ce matin on s'ostinait sur qui faisait la vaisselle. Ok, ben celui qui aura le moins de points fera la vaisselle de... Ça fait combien... Ça fait entre 2 jours et 15 jours qu'on l'a pas faite. Au moins un mois. Alors à toi l'honneur, Cindy. Ouvre ta boîte, va chercher les petits boosters. Essaye de pas trop faire de bruit. Faut gagner en silence. Alors choisis ta première arme. Un seul suffit pour commencer. Je vais y aller avec le plus fashion. Celui-là. Wow! Un Morpeko en même temps, ce n'est pas un Pikachu. C'est complètement différent. Oh. Mais il est cute! J'ai regardé tes vidéos, je sais comment ça marche. 1, 2, 3, 4. Je fais ça comme ça. Faut que ça soit droite. Ok, ok. Énergie gazon! Mm-hmm. J'ai un Rotom. Rusted Shield. Eldegoss. Morpeko cute. Spinarak. Buziel. Mais je l'aime pas. Okay. Roulette. Il n'avait rien fait. Trapinch, il est cute. Oh! Wow! C'est à moi. Une Amazing Rare. Bravo, mon amour. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok. Un Zarud. Ok, bravo, tu marques 2 points. Tu prends les devants 2 à 0. Mais on ne fait que commencer ces 2 petits points. Je suis super pas stressé en ce moment. Alors, à moi d'ouvrir un paquet. Je trouve qu'elle a l'air d'avoir valoir plus que 2 points, mais bon. Bon, allez. On va voir si la chance est avec moi aujourd'hui. Ouais, ouais, peut-être. Petite 4. 1, 2, 3, 4. Ah, je la sens bien, celle-là, je la sens bien. Énergie coup de poing. On a un Tropius, un Gym Trainer, un Floatzel, un Yanma. Belle libellule. Moi aussi, j'ai le Pikachoulette. Un coughing. Un gossifleur. Tu me dis qu'il n'y avait pas de fleurs. De type fleur. Mais il y a des fleurs. J'ai peut-être menti. Oui. Et on a... un Actovish. Un Pokémon bébé shiny. Ça me vaut 3 points. Et derrière, il y a... 3 points. Mais regarde, mon amour, c'est un bébé shiny. Il y a des étoiles. Il est super beau. Moi, je l'aime. Non, la mienne était bien plus belle. Oui, mais c'est pas ça le jeu. On a un système de points. Pas de discrimination envers la beauté ou non des Pokémon. Ok, moi, ma théorie, c'est fashion first. Mais premièrement, la libellule qu'on voit en ce moment, elle est magnifique, mais elle vaut 0 points. Donc, on peut pas y aller avec nos goûts, sinon, y aurait pas de limite. All right. Mon amour, cache tes cartes. Ok. T'as quelque chose de gros, fais attention. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai Batman Energy. Rusted Sword. Dartrix. Ball Guy. C'est louche. Yanma. Chnom. C'est elle, Lara? Non, c'est pas elle. Koufan, il est beau!
Grookey. Lui, je l'aime pas, il fait exprès. Coughing. Et oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, fais attention à cette carte-là! Tu bouges plus. Allô? Ça vaut combien, ça? Alors, je me suis énervé un peu, là. C'est juste une carte à 25$, mais elle est magnifique. Ça te fait marquer 4 points. Tu prends l'avance. Oh, 6 yes. À 3. Alors, à moi d'ouvrir un paquet. Ça va être dur à battre, 4 points. Ça va me prendre le Charizard Shiny. J'y crois. J'y crois super gros. D'après moi, je vais en avoir 12. Alors, le petit code. 1, 2, 3, 4. 4 pour 4 points. Énergie, gazon. On y va avec un Rusted Shield, un Rototom-Tom, un Floatzel, une roulette, un Koufan, un insecte, un Snom, un Orsi. Boum! Un deuxième bébé shiny. Deux bébés shiny en deux. On a-tu quelque chose d'autre derrière? Non, la carte décevante, mais deux bébés shiny en deux. C'est l'égalité, 6 à 6. J'ai marqué deux fois 3 points, mon amour. Ah, cool. J'ai même pas peur. Je suis confiante. Eh non, moi, si je marque 3 points à chaque fois, ça va être facile. Si j'arrive à les ouvrir. OK. Alors. 1, 2, 3, 4. Jugez-moi pas. Non. Énergie Pikachu. Pikachu. Ou Hydro-Québec, c'est selon. Ok, Rusted Shield, Rattam, Floatzel, Evolution, Chuto, Yanma, Morpico, Eevee, ça c'est mon préféré. Ok. Niveau 0 point. Fleur. 0 point. Lui, c'est ton préféré. Niveau 0 point. Non, mais c'était une fleur pareil. Rotom. Rillaboom. Oh, tu vois, il brille un petit peu. Tu sais, quand ça brille un petit peu, ça vaut un point. Applaudissements de golf. Bravo. Bon, ben, on va être bientôt à la mi-chemin dans ce combat. Il me reste un paquet à ouvrir. On aura 3 chacun. Tu mènes par seulement un point. Donc, je suis quand même confiant. Je suis pas mal sûr que je vais faire 2 points avec ce paquet-là. À date, j'ai un ratio de 3. Alors voilà mon petit code. 1, 2, 3, 4. Je devine l'énergie. Ce sera une énergie de type gazon. Oh! Impressionnant! Facile! Alors gazon, l'équipe des serviettes criantes. Regarde-moi là! Celle-là? Ou le gazon? Oh, je m'en fous du gazon! Ok, un Rotom. Rusted Shield, je te garde ça en bas. Chuttle, Eevee, Nikit, on a un Orsi, encore un Snom, mon dieu, ben non, 3-3, un Shiny pour 3 points, et derrière, il y a une Holo pour 1 point, je viens de marquer 4 points avec un seul paquet, je prends les devants. Alright, ah, tu te penses cool, hein? Ok, on est à mi-chemin. Et c'est combien, là? T'es à 10? 10 à 7 pour moi! Ça va pas rester comme ça longtemps. OK. Ben là! Je rappelle qu'on a le même type de boîte chacun, donc c'est vraiment le hasard. Et je t'ai fait choisir, Cindy, celle que tu préférais entre les deux. Et tout de suite, t'as sauté sur celle qui va probablement mener à ta défaite. Tu calcules ça comme ça? Oh, oui, c'est des mathématiques avec ton instinct. Du futur. Alright. Énergie, coup de poing en face. Je devine ton énergie. Coup de poing. Ah, ben, si près. T'as une énergie, mais pas coup de poing en face. C'est du feu. Ok. On a Cramorant.
Rusted Shield, Eldegoss, Snom, Koufan, Grookey, Bouzial que j'haïs, Yonma. Oh, laisse faire la carte de tantôt, je l'ai. Ouais, puis elle brille en plus. Oh. Et un Yanmega. Yanmega, ça vaut 0 point. Mais t'as une carte que t'aimes qui brille, fait que je sais pas, mais c'est peut-être une valeur sentimentale. Oh, tu peux la garder. Mais je veux dire, elle vaut pas de points. Non, elle vaut pas de points, mais tu peux la garder. Bon, moi, je garde toujours les paquets de Charizard pour la fin. J'en ai deux. Donc, je vais ouvrir celui-là en premier. Et à la fin, vous allez voir, je vais avoir une fin de course incroyable, comme dans les films. Je vais faire le lancer coup de poing, le grand V, et on va gagner. Alors, on a un petit code, et puis, on fait 1, 2, 3, 4. Et je vais dire, essaie de devenir l'énergie. Dis une couleur, Cindy. L'énergie cœur. Un cœur de gazon. Non, mais c'est, ouais. Ça aurait pu. Hein. Rotom. On a une Rusted Sword, Floatzel, un Koffing, un Morpeko, un Orsi, Spinarak, Roulette Russe, on a une Rusted Sword et ouh, un Celebi, ça vaut 0. C'est à mon tour de faire 0 point, j'aime pas ça faire 0 point. Moi, ça me dérange pas que tu fasses 0 point. Ok, c'est à mon tour. Je commence à stresser, là. On n'a pas marqué de points, le momentum va se perdre. Momentum, qui est un terme latin qu'on utilise juste dans les compétitions. Oh, et force de la face, Cindy, force de la face, aide! Ben, ça m'aide toujours. Ouh, Nicki Minaj! Wow! Un Pokémon de type twerk. Ok. Cindy qui tape les cartes. Énergie de type Osiris. Je t'ai vu faire tac avec les cartes jusqu'à... Oh, je m'excuse, mais de toute façon, c'est les miennes maintenant. Ouais, je sais bien. Rusted Sword, Ball Guy, Twocky, Nicki Minaj, Grookey, Morpeko, Yanma, Chuto. Oh! Oh my god, t'as deux bonnes cartes! Oh. Non, t'en as au moins une! C'est un Ditto Shiny! Il est magnifique! Ok, c'est un Zaru d'après, mais t'as un Ditto Shiny! Oh, t'es c'est 4 points ça! T'es impressionné par mes skills, avoue! Hein? C'est 4 points, fais attention! Avoue que t'es impressionné! C'est tellement une belle carte! Ok, mais on va la protéger pareil, ok? Ok. Pour que tu sois plus contente encore de l'avoir. Oh! J'espère que tu vas la montrer dans toutes tes lives. Of course! Si je te donne un bec, tu vas-tu m'en donner une des deux? Les yeux ouverts ou fermés? Bon, ça va être dur à battre ce petit Ditto Shiny. On arrive à mes paquets de Charizard. Tu mènes par un point, Cindy. Je commence à stresser un peu. J'ai un paquet ici qui commence avec une libellule. Habituellement, quand j'ai la libellule de la chance, ça devrait bien aller. Tac! Alors, 1, 2, 3, 4... On a Énergie Pikachu, Hydro-Québec, un Cormoran, un Rusted Shield, un Dartrix, un Yanma, comment on est point, un Morpeko, un Koffing, Gossifleur, Cacnea, comment on. Oh, un Koffing, c'est 0 point. Oh, j'ai quelque chose derrière, mon amour, j'ai quelque chose. Comment, quelque chose de gros. Boum! Oh, un Cramoran, il est bien beau. Combien de points, ça? Ben, c'est juste 2 points, mais c'est assez pour me faire prendre les devants. Parce qu'elle n'est pas shiny. Oh, elle est belle. Regarde, c'est un bel oiseau. Il peut faire des... Il peut t'attraper avec son bec ou te cracher dessus. Alors là, Cindy, nous reste chacun un paquet, n'est-ce pas? Oui. Sauf que c'est moi qui mène. Comment ça fonctionne? Pour qu'il y ait un suspense, je vais ouvrir mon dernier paquet tout de suite et on va te laisser ouvrir le tien après. Parce que si tu marquais pas de points dans ton autre paquet... Mais ça me donnerait rien d'ouvrir celui-là. Alors j'ouvre mon dernier paquet et non, après attends. Ça on part. Laisse-moi m'attacher les cheveux. Pour que moi j'ouvre mon paquet? Ok, vas-y. Parce que ça devient sérieux. Oui. Ça m'influence beaucoup. J'ai l'impression que mon ouvrage de paquet va être bien moins bon. Hein.
mon dernier paquet pour voir est-ce que j'agrandis mon avance avant ton dernier paquet. Le mystère est complet. Au moins, mes cheveux sont on point. Oui, c'est... Est-ce que t'étais coiffeuse avant? Esthéticienne, ça? Oui, oui, c'est des cheveux. Alors, derrière, on a le petit code. 1, 2, 3, 4. Come on, des hits dans tous les paquets, j'y crois. Énergie Hydro-Québec. On a un Rusted Shield. On a Floatzel. Toi qui? Coughing. Shinx. Un Grookey. Trapinch. Yanma. Come on. Boom! Un Yanmega pour un point, parce que c'est une rare reverse, donc je marque un point supplémentaire et rien. Elle brille même pas! Elle brille. Oh oui, dans ta tête! Ouais. Des points gratuits? Oui, mais là, ça te prend deux points. Ça peut être des points gratuits, peu importe la sorte de points, t'as besoin de deux points au moins. Sinon, je gagne. Puis je suis un héros. Ah! Faut pas que tu fasses deux points! Faut pas que tu fasses deux points. Je dois faire deux points. Non, non, un je dois faire deux points. Je te laisse faire un point. Un point, c'est assez. Comme ça serait serré. Deux. Ça serait stressant. J'ai un peu stressé. Oh, fais attention, pas les montrer. En fait, je regarde. En fait, montre-les. Arrête de regarder. Ben là, ferme tes yeux. C'est bon, ça. Oh, regarde, ça commence bien. J'ai énergie gris. Ah oui, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ça goûte le poulet. Toujours. Chouaki, Tropius, Rotom, Yanma, Morpeko, Eevee que j'adore, Gossip Fleur, Yanma, Floatzel. Ça brille-tu ça? Ça brille pas. Ça brille-tu? Oui, mais pas assez. Oh. Et oh, une holo pour un point. Oh, come on! Yes! Je l'emporte par un petit point. Désolé, mon amour, j'aurais vraiment aimé ça. Que tu l'emportes pour que je fasse la vaisselle, mais là... Ben oui, je la fais tout le temps. Bon, on a un lave-vaisselle. C'est le lave-vaisselle, dans le fond, qui gagne. On devrait y faire ouvrir des paquets. Avant de se quitter, voici les faits saillants du match. Alors, j'ai une Skyla et une Ditto V-Max Super Fashion. Super shiny, surtout, la shiny Ditto. Fashion. Et moi, j'ai mes petites cartes d'un point, ma petite carte de deux points, mais surtout, mes trois bébés shiny d'Eden, Sizzlipede et Arctovish sont magnifiques. C'est des bébés! C'est à cause d'eux que tu dois faire la vaisselle. Alors, encore une fois, merci beaucoup, mon amour, d'avoir participé, surtout d'avoir marché avec moi au marché aux puces pour qu'on trouve ces deux petites boîtes-là. Et puis, désolé pour la vaisselle, mais sinon, ouais. Où est-ce qu'on peut te voir? Sinon, on peut me voir sur ma chaîne Twitch et j'imagine que je vais te donner mon lien pour que tu le mettes dans la description. Alors, on va mettre un ici dans la description. Vous allez pouvoir cliquer, ça va être super facile. Cindy est très souvent live sur Twitch. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Allez follower la chaîne à Cindy. Puis sinon, on se revoit bientôt pour d'autres combats de Pokémon. N'oublie pas de montrer ton chandail. Oh, il est tellement beau. C'est quoi ça?